Diverses légendes rapportent que le château d'Aigremont tire son nom du duc de Bœuf d'Aigremont. Les origines du château sont assez floues et beaucoup de légendes s'en rapportent, mais il semble que, déjà au Moyen Âge, en l'an 900, on mentionne une forteresse médiévale à cet endroit. Le château d'Aigremont a été construit sur les ruines du château fort médiéval de Guillaume de la Marque, pour Henri Carton de Viard, est un personnage farouche et redouté, ne respirant que la guerre, vivant de la guerre, ardent aux querelles et aux rapines, aux débauches, d'humeur sauvage et de poils rudes, cruel envers ses ennemis jusqu'à leur arracher le cœur de la poitrine quand il les a massacrés. Il a plus d'un trait commun avec le sanglier ardennais, dont il poste les hurles dans ses armes et dont il revendique le nom en guise de sobriquet. En 1715, le chanoine Mathias Clerc acquit la seigneurie pour la transformer en château conçu comme résidence de plaisance. Ainsi, de 1717 à 1727, la forteresse laissera place à un château, s'inspirant de l'architecture française de style Louis XIV, en vogue à l'époque, mêlant briques rouges typiques de la tradition lausanne. Entre le château et ses jardins se trouve une petite chapelle baroque construite en 1725. Dédiée à Saint Mathias, elle possède une belle façade décorée d'un chronogramme datant de la construction. Voilà pour les infos tout ce que j'ai pu trouver sur ces lieux. Ce qui va nous intéresser cette nuit sera le légendaire chemin de la peur, à l'époque du château fort médiéval. Ce chemin à l'époque était très convoité par les domestiques qui se rendaient au village pour apporter à leur seigneur vivres et animaux pour leur viande. Mais à cette époque, les villageois qui demeuraient à proximité mouraient de faim et n'hésitaient pas à les attaquer pour leur voler la nourriture. De peur de représailles contre les villages entiers, ils tuaient ces domestiques pour ne pas laisser de preuves. Il y a eu beaucoup de morts à cette époque dans ces lieux. Bon visionnage les amis. Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je suis totalement dans le noir. On va d'abord faire le tour par le bois. Et alors on se rendra tout dans le fond. Comme ça on sera tranquille. Je pense qu'à cette heure-ci, on ne verra pas grand monde. Du moins je l'espère. Donc voilà, j'ai pris donc mon K2, ma Spirit Box. Et alors j'ai ma caméra qui filmera en infrarouge, donc on sera totalement dans le noir. J'ai pris ma frontale, on ne sait jamais dans les bois, je n'ai pas envie de me planter, donc voilà. Et j'ai éventuellement aussi préparé une pile, on ne sait jamais que la Spirit Box, les entités prendraient de l'énergie s'il y en aura encore dans les lieux. Ben, on y va les amis. Allez, à tout de suite. Voilà. Moi, je viens de là-bas. Et on va tout doucement. Vous voyez, je suis vraiment, vraiment dans le noir. Voilà, je suis au milieu du chemin. Quand je serai arrivé en bordure pour entrer dans le bois, à ce moment-là, j'allumerai ma frontale. Parce que je n'ai pas envie de me planter. Hein, ça commence à descendre. J'espère qu'on ne rencontrera pas des sangliers. Quand on sera en bordure de bois, j'invoquerai des éventuelles entités pour voir. J'ai mon téléphone, bien sûr, il est en mode avion.
Mais je l'ai quand même pris, on ne sait jamais. Voilà, on descend tout doucement. Je vais me remettre au milieu du chemin. Voilà. Je pensais faire un live. Donc, vous faire profiter de cette enquête. Mais je me suis dit, à cette heure-ci, il n'y aura pas grand monde. Donc voilà, ben... je vous avais demandé comment est-ce que vous auriez préféré l'enquête, soit en vidéo ou en live. Et vous m'avez suggéré en vidéo. Alors voilà, nous sommes en vidéo. Il ne fait pas froid, il a fait bon de la journée, il y a eu grand soleil. Non, il ne faut pas que je loupe l'entrée du bois. Je vais quand même allumer ma frontale pour avoir pour voir l'accès du bois. Pigeon. Donc je pense que je resterai tout le temps en eye shot. Faut pas que je loupe l'entrée du bois. On sera à l'entrée du bois, je prendrai mon K2. Je pense que c'est ici. Vous avez une entrée par là. En fait, ça redescend. C'est un petit chemin qui redescend au village. Et alors, vous avez l'entrée ici. Voilà, ici. Eh bien, les amis, souhaitez-moi bonne chance. Et on y va. Allez hop, c'est parti. On va essayer de pas se planter. Voilà. Voilà. Je vais simplement positionner ma lampe vers le bas. Voilà. J'ai un problème avec
en infrarouge. Est-ce que c'est à cause de ma lampe ? Voilà. Donc vous voyez, on est à l'entrée du bois. Bon, maintenant, il y aura sûrement des bruits d'animaux. Ça, c'est normal. Je vais prendre mon K2. Voilà. Voilà. Bonsoir. Je m'appelle Fifi. Je suis ici en ami lors d'une visite au château. J'ai discuté avec un homme qui m'a expliqué que à l'époque où il y avait, au tout début qu'il y avait le château, vous alliez donc au village chercher de la nourriture et qu'il y avait des brigands qui vous attaquaient justement pour voler cette nourriture et que forcément pour ne pas laisser de preuves de l'attaque, généralement le voleur tuait tuait la personne qui allait chercher à manger. Je vous invite à me suivre si vous avez n'ayez pas peur. Je détiens un petit boîtier dans mes mains. Ça s'appelle un K2. Si vous réussissez à le toucher, le K2 va interagir. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas de toucher mon K2. Ça prouverait que vous êtes avec moi. Donc n'hésitez pas, ça ne vous fera aucun mal. Simplement, j'aurai une preuve que vous êtes avec moi. J'ai également une spirit box. C'est un appareil qui n'existait pas à votre époque, mais qui me servira à rentrer en contact avec vous. Donc n'hésitez pas, suivez-moi, et si vous avez la possibilité de toucher mon K2, faites-le. Je vous remercie. Bon ben, on va continuer un petit peu. On va aller par là. C'est pas facile.
J'ai pris un trépied avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ces bois? Si oui, touchez-moi le petit boîtier que j'ai dans mes mains. C'est inoffensif pour vous. Des fois, je viens me promener dans ces bois et j'ai déjà ressenti des présences. La chair de poule, par exemple. Est-ce que vous pourriez faire un bruit? De plus qu'il y a eu la guerre, la première guerre, la deuxième guerre mondiale. Donc ici, des morts, il y en a eu. Et à la vieille ferme, il y a toujours le donjon. Ça, j'essaierai au bon temps de m'arranger avec le locataire pour aller faire quelques photos. Allez, n'hésitez pas, touchez mon petit boîtier que j'ai dans les mains. Après, on essayera de rentrer en contact ensemble. Un message à me faire passer à l'époque. Non, c'est rien. C'est souvent des feuilles qui tombent. Ah, comment est-ce que je me sens? Ben, pas trop mal, franchement. Pas trop mal. On arrive à la fin. On va prendre l'autre côté. Je vous avais promis que je ferais la petite enquête de nuit. Et ben voilà, on y est, les amis. Est-ce que vous êtes avec moi? Si oui, touchez le petit boîtier que j'ai dans ma main, s'il vous plaît. N'hésitez pas, c'est inoffensif pour vous. Mais ça me prouvera que vous êtes avec moi. Si il vous faut de l'énergie, n'hésitez pas. Prenez dans les batteries. Pour le moment, c'est calme. Si vous voulez me délivrer un message, n'hésitez pas. Parlez dans les micros de ma caméra. Je vous entendrai. Si vous avez un message à me faire passer, n'hésitez pas non plus. Éventuellement, je pourrai revenir. Thank you.
Si c'est le cas, je vous invite à venir toucher le petit boîtier que j'ai dans mes mains. Donc je vous l'ai dit, j'ai mon téléphone avec moi, mais il est en mode avion. Donc enfin, maintenant, je pourrai utiliser mon K2. Je n'aurai plus personne avec moi qui fera des lives à tout bout de champ. Donc là, je pourrai utiliser mon K2 et mon malmetteur. Vous avez encore une autre partie du bois. Après, on reviendra sur nos pas et on se rendra sur la fameuse route que je vous ai décrite tout à l'heure. Donc c'est une histoire qui m'a été racontée par une personne qui est née ici et qui adore l'histoire, et il m'a raconté ce que je vous ai dit. Dont encore d'autres histoires, mais ça fera partie d'autres enquêtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici dans les bois, s'il vous plaît? Si oui, venez toucher mon petit boîtier que je détiens dans les mains. Ça s'appelle un K2. C'est inoffensif pour vous. Au moins, j'aurai une preuve que vous êtes avec moi. Mais je ne vous le cache pas, j'ai des frissons. J'ai des frissons, mais bon, on est le soir, on approche tout du fin. Je pense que maintenant on approche d'une heure au matin. Venez toucher mon petit boîtier ici. Des araignées, des toiles d'araignées. Ça sent le pétard. Ça sent la poudre de pétard. Allez là, venez toucher mon petit boîtier. La seule chose que je redoute, c'est de tomber nez à nez avec une famille de sangliers. C'est la seule chose que j'ai le plus peur. Parce que il n'hésiterait pas à me rentrer dedans, ça c'est sûr. Enfin voilà. N'hésitez pas les amis à me bombarder de pouces bleus pour mon courage. Je pense que
Dans les futures enquêtes, je pense que je vais... Si je retrouve une personne sérieuse, pas comme la dernière que j'ai eue, j'espère que je retrouverai une personne de sérieux. Sinon, je pense que je resterai tout seul pour faire les enquêtes. J'inviterai à la limite un abonné ou une abonnée pour venir en enquête avec moi. Je crois que j'ai vu des yeux briller, mais ça peut être un renard aussi, des biches. Ici, on a beaucoup de biches. J'ai mon sac qui tombe. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes avec moi, n'ayez pas peur. Je ne suis pas ici pour vous chasser. Au contraire. Si vous avez un message à me faire passer, n'hésitez pas. Mais pour preuve que vous soyez avec moi, touchez, s'il vous plaît, mon petit boîtier que j'ai dans les mains. Si vous le touchez, vous allez faire monter les lumières, tout simplement. C'est inoffensif pour vous. Donc on arrive au bout, je ferai demi-tour, après on se dirigera vers le sentier qui a été rénové depuis, donc ce n'est plus comme dans les, à l'époque, donc dans les années 1800, ce n'est plus comme ça, donc on va quand même essayer de rentrer en contact. S'il y a encore entité dans ces lieux. Voilà. En même temps, on prend un bon bol d'air. Ça fait du bien, surtout en ce moment. Mais ça sent la poudre, la poudre, la poudre de pétard. J'espère que vous serez un petit peu plus parlant quand j'allumerai ma spirit box. Ici, je me suis permis de venir dans vos bois pour vous demander éventuellement de me suivre. Oh, j'ai la chair de poule, mais quelque chose. Waouh! Donc je vous demanderai de me suivre. On s'installera et j'ai un appareil qui s'appelle une spirit box. On essayera de se parler ensemble. Mais j'aurais bien voulu que vous touchiez mon petit boîtier ici, s'il vous plaît. Essayez. Venez toucher mon petit boîtier.
Ce boîtier est inoffensif pour vous en plus. Et ça me prouvera que vous êtes avec moi. Allez les amis. N'hésitez pas, hein. Venez toucher mon petit boîtier ici. Sinon, je viens souvent me promener ici. En journée. Et ça fait longtemps, longtemps, longtemps que j'avais prévu de faire cette petite... cette petite sortie nocturne dans ces bois. Ce que vous entendez là, c'est un avion. Il y a l'aéroport de Bierzet qui n'est pas loin. Donc ce sont des avions cargo. On en entend beaucoup parler pour l'instant à la télévision, aux médias. Donc, tout à l'heure, on est venu de par là. On est venu de par là. On a été par là-bas aussi. Et maintenant, les amis, on va se rendre donc sur la fameuse sur le fameux sentier. Ce n'était pas une route. Maintenant, elle a été rénovée. Mais dans le temps, c'était un chemin en terre qui passait dans les champs qui appartenaient également au châtelain. D'ailleurs, il y a encore des vestiges du château fort. Et comme le château fort était en piteux état, le terrain a été racheté par un seigneur. Donc un seigneur, à l'époque, c'est une personne qui avait beaucoup d'argent. Et il a fait construire, dans les années 1800, le château qui est actuellement là-bas, quoi. Je ne vous dirai pas quel château que c'est.
Voilà. Là, le convoyeur se trouve là-bas. On va aller par là. Ben tant pis, je remettrai le K2 et j'espère que vous viendrez le toucher. On va se rendre sur place. Voilà. Je vais faire mon K2. Je vais le remettre à place. Voilà. Je remonte. Voilà. Je vais fermer ma lampe. Voilà, ça je suis totalement dans le noir. On va essayer de ne pas se prendre un caillou. Donc voilà. Là c'est l'entrée du bois et le château. Il est là-bas au fond. On redescendra par le chemin où il y a eu les morts. Quand je dis des morts, ce serait apparemment des dizaines de morts. Mais bon, les seigneurs qui vivaient au château, ce n'est pas eux qui auraient facilement fait bien 2-3 kilomètres pour aller chercher de la nourriture et des bêtes, tout ce qui était poules, tout ce qui était moutons par exemple. Il y avait des chevaux. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, suivez-moi. Et là, vous avez le convoyeur. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oula. Je vais me planter. Là, vous avez le convoyeur. Je ne sais pas si vous allez le voir devant moi. C'est un long convoyeur. Et en fait, ce convoyeur sert à transporter de l'autre côté de la route. Donc c'est un convoyeur qui fait plus d'un kilomètre. Ils sont en train d'enlever un terril. Et alors, voilà quoi. D'ailleurs pour ça que ils ont suivi la route. Donc oui, maintenant on peut dire que c'est une route. Elle a été tarmaquée et tout. Donc, il descend au village dont vous avez la Meuse à côté. Et ils ont décidé de construire ce fameux convoyeur là pour vider le terril. Voilà. Comme ça vous connaissez un petit peu l'histoire. D'ailleurs, je sais pas si vous allez sûrement, hein, vous le voyez maintenant. Donc il descend
là-bas dans le fond. Voilà. Il tourne et il va jusque là-bas dans le fond. Je vous ferai un petit plan en drone. Comme ça, vous verrez mieux. J'ai mon sac qui n'arrête pas de descendre tout seul. Je pensais que ça m'aurait aidé, mais ça m'emmerde plus qu'autre chose. Près du convoyeur. Wow. Un oiseau. J'étais surpris. Et là, on va arriver sur le chemin. Voilà. Et où est-ce que vous voyez? Attendez, je vais avancer un petit peu. Et là, vous voyez, on est en dessous du convoyeur. Le convoyeur qui descend là-bas. Vous allez voir, là, il tourne, et il va là-bas dans le fond. Et ici, je suis totalement dans le noir, les amis. Je n'ai pas ma lampe frontale. Je vais tourner la caméra. Vous voyez, ma frontale est fermée, je suis totalement dans le noir, donc je suis en infrarouge. Voilà, donc ici maintenant je suis sur le chemin où malheureusement il y a eu les meurtres, comme je vous ai expliqué, et le château il se trouve là-bas. Je ne sais pas si vous le verrez, il est quand même à... Il est juste ici. On voit les lumières. Voilà, il est juste là, le château. Et derrière le château, il y a encore la ferme qui appartenait au château fort. Voilà. Et pour repartir, on repartira par là. Et on rejoindra la route principale pour arriver au château. Voilà, les amis. Je me calme, voilà, vous savez, j'ai le pied, c'est pas facile, et bien on va se mettre là-bas, un petit peu plus loin. C'est ça. Ok. Donc on va avancer. J'espère que vous verrez bien. On va se mettre un petit peu plus loin. Je vous laisserai 5 minutes. Comme ça, je mettrai mon pied. Et on sera à son aise pour faire une petite séance de spirit box. J'espère que on aura des résultats.
Si pas, ben voilà. C'est qu'il n'y aura plus de d'entité sur les lieux. De l'autre côté, là-bas, il y a encore un autre bois. Derrière le château. Ça, éventuellement, la prochaine fois, on pourra peut-être même en live, au tombé de la nuit, on pourra aller se promener dans les bois, éventuellement capter quelques petits phénomènes pas trop normal. Ça, je ne sais pas si c'est des mouchettes ou du vent, il n'y a pas de vent. On va aller jusque là-bas. Vous voyez le convoyeur là. Donc vous vous imaginez de là-bas tout au fond. Hein, donc les personnes qui venaient chercher la nourriture partaient de là. Ils venaient comme ça. Alors ils longeaient, enfin ils ne longeaient pas le convoyeur parce que le convoyeur n'existait pas à ce moment-là, venait par ici, repartait par là, descendait le bois pour arriver au village. Donc ça faisait facilement, je suis certain, il y avait facilement 2-3 kilomètres, parce qu'arriver dans le fond, bon, ce n'était pas des magasins, c'était des fermes. Ils échangeaient à l'époque. Ils échangeaient la nourriture. Et alors, bon, ben voilà, c'était des champs. C'est toujours des champs. C'est toujours des champs, là et ici. Et ils se faisaient trucider par les voleurs. Pour voler la nourriture. Et voilà. On va se mettre. Vous allez voir, le convoyeur il va descendre. On va aller jusque là-bas. Il va descendre. Et quand vous allez voir qu'il va descendre, ben, le chemin continue. J'ai entendu des pas, j'ai entendu marcher. Ben les amis, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous faire cette petite enquête. Car ça me manquait. Ici, il y a souvent des gens qui se promènent avec leurs chiens. D'ailleurs, j'espère que je ne marcherai pas dans une crotte.
Maintenant, vous avez... Ici, c'est une centrale. Donc, vous avez les trois cheminées. Voilà, je me remets au milieu du sentier pour ne pas me prendre les blocs en béton dans les jambes. Je pense que ici, on se mettrait ici, on serait vraiment, vraiment bien, je pense. On est quand même assez loin. On ne sera pas embêté. Mais je voudrais bien vous montrer où le convoyeur descend. Mais on se mettra peut-être bien là, tiens. On serait bien là. N'hésitez pas, suivez-moi. On va bientôt se poser et on va essayer de dialoguer ensemble. En tout cas, il fait vraiment, vraiment, vraiment bon. Ah, je suis heureux, franchement, je suis heureux de faire cette petite enquête. Maintenant, ça ne me dérange pas. C'est tout près de la maison. Je ne risque pas de rencontrer quelqu'un de physique, je vais dire. Vous voyez là, ça commence à plonger. Mais je vous mettrai un plan de comment c'était avant. Oh non, c'est moi qui dévie. Je vous mettrai un plan de comment c'était à l'époque. Quand le château fort a été construit, c'est plus ou moins 1705. Bon, je vais essayer. Ici, je vais quand même mettre ma lampe, parce que je n'ai pas envie de me planter. Voilà. Voilà, et ici vous allez voir, je vais passer au-dessus. Donc ici vous avez le convoyeur, je vais monter au-dessus. Je ne sais pas si vous allez voir, et ça descend, le convoyeur descend jusqu'en Meuse. Donc voilà, le terril part sur des péniches et alors ici vous avez le village, quoi. Enfin, dans le temps c'était un village, mais maintenant c'est la ville, quoi. Voilà. Comme ça, vous avez vu. J'espère que vous aurez pu voir. Et ça descend. Franchement, ça descend. Excusez-moi pour l'infrarouge. C'est à cause de ma frontale. Elle capte la lumière de ma frontale. Alors, elle se coupe. Ça descend vraiment à pic, quoi. Et les gens descendaient et remontaient avec la marchandise.
Et quand je pense qu'après, il se faisait, pas tous, hein, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de vols et beaucoup de personnes qui sont mortes sur cette route. Je voudrais bien en savoir un peu plus sur ces dires, mais je pense que je vais fermer ma frontale. Je pense que l'homme qui m'a raconté cette histoire-là Je pense que l'homme qui m'a raconté cette histoire-là ne m'a pas raconté des blagues. Il aime trop l'histoire de sa ville, de son village. Et il connaît très très bien tout ce qui s'est passé. Donc je suis certain que j'essayerai de l'interviewer. Mais malheureusement, il a attrapé le cancer l'année dernière. On se voyait souvent. Malheureusement, ben voilà, depuis son cancer, avec les séances de chimio et tout ça, on ne s'est plus vu. Mais j'aimais bien quand il me racontait ses histoires. Enfin, voilà. Mais les amis, je vous laisse. 5 minutes. Enfin, pour vous, ça sera tout de suite. Le temps de monter le trépied, de mettre la caméra dessus. Je vais apprêter la spirit box. Et je vous reprends après, les amis. Eh bien, nous revoilà, les amis. On va faire une petite séance, c'est mieux comme ça, de spirit box. Et je vais quand même rallumer, c'est mieux comme ça, mon K2. Un petit bruit, c'est convoyeur. C'est sûrement le fer qui travaille un petit peu, c'est pas grave. Bon, on rallume. Voilà. Le K2. N'hésitez pas. Venez près de moi et essayez, je dis bien essayez, si vous avez assez d'énergie, si vous n'en avez pas assez, n'hésitez pas, prenez dans les batteries, elles sont là pour ça, et venez toucher le K2. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que vous pourriez recommencer? Vous pourriez retoucher le K2, s'il vous plaît. Je l'ai entendu, il me semble. Est-ce que vous pourriez le retoucher, s'il vous plaît, le K2? Retouchez le K2, s'il vous plaît. Retouchez le K2, s'il vous plaît. Vous l'avez entendu. Merci. Retouchez-le encore une fois, s'il vous plaît. Bon, ce n'est pas la Spirit Box. Vous voyez, c'est pas la spirit box, c'est pas la caméra non plus. Vous l'avez entendu comme moi. C'est bien, merci. Retouchez-le encore une fois, s'il vous plaît. Touchez-le. Touchez-le. Le convoyeur est à l'arrêt. Donc, ce n'est pas le convoyeur non plus. Nous sommes bien d'accord.
Retouchez le K2, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Ça fait deux fois. Devant la caméra, s'il vous plaît. Avant de faire une séance de Spirit Box. Retouchez-le. Vous avez vu, c'est carrément inoffensif pour vous. Touchez-le, s'il vous plaît. C'est fou, ça, à chaque fois que je ne suis pas devant la caméra, bah, qu'il se met en route. Ça fait déjà deux fois. Retouchez-le, s'il vous plaît. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Bon, on va... Vous l'avez entendu? C'est fou. C'est à chaque fois que je la baisse, il fonctionne. Est-ce que vous pourriez le faire devant la caméra, s'il vous plaît? Faites-le. Touchez-le, s'il vous plaît. Touchez-le. Enfin, soit... Donc on va... Je vais l'éteindre pour le moment. Je vais éteindre le K2 pour le moment. Parce que je ne voudrais pas qu'on vienne dire que la Spirit Box fait quelque chose avec le K2. Je vais allumer un petit peu. Alors... On va mettre le son. Voilà. On va mettre à 150. On va balayer à 150. Voilà. FM. En FM. Je sais pas si vous allez le voir. L'antenne est désactivée. Donc, normalement, si on a des réponses, ce n'est pas la radio. Et je vais balayer en arrière. Donc, même si on aurait une réponse à une radio, ben forcément, si on balaye en arrière, ben, le mot sera incompréhensif, quoi. Eh ben, c'est parti, les amis, on y va. Voilà, j'espère que vous entendez bien. Voilà. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Fifi. Je suis venu ici pour essayer de trouver des réponses. On m'a expliqué... que beaucoup de personnes ont trouvé la mort sur ce chantier, ici. Excusez-moi, je suis... C'est la première fois que je viens ici tout seul, de nuit, donc soyez compréhensifs. Je voudrais rentrer en contact avec vous, n'hésitez pas, je tiens un petit appareil, ça s'appelle une Spirit Box, c'est une radio AM FM, ça n'existait pas à votre temps, mais grâce à ce petit appareil, vous permettra de rentrer en contact avec moi.
Donc n'hésitez pas, faites des mots, des phrases. Allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Petit bruit, le convoyeur. C'est peut-être normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes un homme ou une femme, s'il vous plaît? J'ai entendu un bruit, je pense. Ça venait de par là. Pas grave. C'est moi qui suis psychotique, à mon avis. Est-ce que vous êtes du temps du château fort ou est-ce que vous êtes du temps du château qui se trouve actuel? J'ai entendu château. Je pense que j'ai entendu château. Donc vous seriez du château des années 1800. Est-ce que vous êtes décédé ici, s'il vous plaît? J'ai entendu oui. Est-ce que vous pourriez me reconfirmer? Ça parle, hein? Est-ce que vous pourriez me donner votre nom, s'il vous plaît? Est-ce que vous auriez un message à me faire passer? Est-ce que vous pourriez toucher mon petit boîtier que je tiens dans la main, s'il vous plaît?
Faites-le, touchez mon petit boîtier, s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas, prenez dans les batteries, elles sont là pour ça. Est-ce que vous pourriez me donner un nom, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez me dire combien êtes-vous encore ici, sur ces lieux? Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Là, j'ai une voix. Est-ce que vous êtes près de moi, s'il vous plaît? Est-ce que, éventuellement, vous pourriez venir près de moi et faire un bruit près de moi, ou que je pourrais peut-être vous entendre marcher en venant près de moi? Et éventuellement, si vous venez près de moi, touchez le K2, touchez-le comme ça. Ça vous fera aucun mal. Je pense que je l'ai entendu deux fois tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que vous auriez besoin d'aide? Si oui, dites-le moi. N'ayez pas peur, je ne suis pas ici pour vous embêter, loin de là. Je suis ici pour essayer d'avoir des preuves de votre présence. Je ne suis pas ici pour vous chasser, loin de là. Si vous voulez rester ici, c'est votre droit. Vous êtes ici chez vous. Je ne suis pas un chasseur de fantômes. Je ne vous chasserai sûrement pas d'ici.
Je voudrais simplement avoir une preuve, avoir des réponses qu'il y a quelque chose après la mort. Tout simplement, je voudrais bien que vous m'aidiez à répondre à quelques questions. Tout simplement. Touchez mon petit boîtier, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Est-ce que vous êtes avec moi ici, s'il vous plaît? Dites-moi oui ou non. Dites-moi, est-ce que je vous dérange? Si je vous dérange, il n'y a pas de souci. Touchez le petit boîtier que j'ai dans les mains. Faites-le allumer. Allumez les petites loupiottes ici, en le touchant. Et si je vous gêne dans ces lieux, faites-le moi savoir et je partirai. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. J'entendais un bruit. Est-ce que c'est vous qui viennent faire un bruit, s'il vous plaît? J'ai entendu un bruit. Juste là derrière moi. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit derrière moi? C'était pas un bruit qui venait du convoyeur. Hein. Ah non, c'était ici en bas. Je ne sais pas si vous l'avez fait. J'espère que la caméra l'aura capté. Mais c'était pas au-dessus, c'était en bas. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit, s'il vous plaît?
Touchez mon K2, s'il vous plaît. Celui-ci, touchez-le. Est-ce que je vous dérange ici, s'il vous plaît? Dites-moi oui et je démonte tout, je pars et je vous laisse tranquille. Je crois que j'ai entendu oui. Quand je ferai le montage ou quoi, j'écouterai comme il faut. Mais il me semble que j'ai entendu oui. Est-ce que vous pourriez me confirmer en touchant mon petit appareil ici? Touchez-le. Vous allez voir les petites lumières qui vont s'allumer. Et je prendrai ça comme preuve. Si je vous dérange, touchez-le, les lumières vont s'allumer et je partirai. Et je vous laisserai tranquille, s'il vous plaît. On va essayer autre chose. On va essayer de balayer en 200. On va essayer. On va encore essayer une fois. Et alors, si on n'a rien, bon, ben voilà. Je me mettrai bien en AM pour voir. Et en AM. À 150. Donc voilà les amis, je me suis mis en... J'étais en FM. Maintenant je me suis mis en AM. Et je me suis mis... Je vais rester à 150. Oui, on va bien voir. Il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Écoutez, pour être sûr et certain, je vais fermer mon K2. Pour être sûr et certain, parce qu'il me semble que les piles commencent à devenir faibles. J'en ai pris une nouvelle. Ça va prendre 2 minutes. Je vais enlever la pile qui est dedans et je vais en mettre une nouvelle.
Voilà. J'arrive. Voilà. Pile. On va remplacer la pile pour être sûr et certain. Voilà. Donc c'est une toute nouvelle. C'est une toute nouvelle. Elle sort du magasin. Voilà. On va la rallumer. On va leur mettre en AM. Voilà. On va speeder à 150. Voilà. On va augmenter le volume. Ah, c'est autre chose. Vous avez entendu? Ça, c'est le convoyeur. C'est peut-être normal. Ah. Bonsoir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? J'ai entendu quelque chose. Et c'est quand j'ai posé la question, directement on m'a répondu. Est-ce que c'est vous que j'ai entendu, s'il vous plaît? Oui. Vous avez entendu comme moi. Vous avez entendu oui. Est-ce que vous êtes de l'ancien château fort ou est-ce que vous êtes du château actuel? Est-ce que vous êtes décédé ici, sur ces lieux ici? Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Est-ce que vous pourriez toucher mon K2 s'il vous plaît? Si c'est vous réellement vous, est-ce que vous pourriez le toucher s'il vous plaît? C'est inoffensif pour vous. Au moins là j'aurai une preuve sérieuse que vous êtes ici présent avec moi. Merci. Thank you.
Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ça parle, hein? Est-ce que vous voulez que je parte? Est-ce que ma présence vous dérange? Oui. Oui, j'ai entendu oui. Est-ce que vous pourriez me reconfirmer encore une fois? Si j'entends encore oui, je démonte et je repars. La même voix, encore oui. J'en ai la chair de poule. Est-ce que vous pourriez encore, pour la toute dernière fois, me dire oui si je vous dérange ici? Les amis, ça fait la troisième fois que j'entends oui. La même voix, oui. Mais écoutez, je vais partir, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas ici pour vous embêter, loin de là, vous êtes ici chez vous, je voulais uniquement avoir des réponses, vous ne voulez pas communiquer avec moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Seulement, restez ici et moi je vais repartir à la maison. Chacun chez soi, est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, oui. Eh bien, je vous remercie de m'avoir répondu. Et alors, je vous souhaite une bonne soirée. Et encore merci. Et je reviendrai me promener. Wow! Oh non! Non, je l'avais là. Ah, les amis, vous n'allez pas me croire. À chaque fois que je mets le K2 hors caméra, il fonctionne. Je l'avais comme ça derrière moi. Je le regarde. Il est monté jusqu'ici. À moitié. Il vient encore de remonter un petit peu. S'il vous plaît, avant que je ne parte, touchez le K2, s'il vous plaît. S'il vous plaît, touchez-le. Une fois, faites-le monter. Un tout petit peu. Je ne vous demande pas grand-chose. S'il vous plaît. Vous voulez que je m'éloigne un petit peu? Touchez-le. Touchez-le, s'il vous plaît. S'il vous plaît, montrez-moi que vous êtes là près de moi. Une petite preuve que vous soyez là. Et après, je vous fous la paix. Je pars. S'il vous plaît. Je ne viendrai plus ici vous embêter. Je passerai peut-être encore ici pour me promener. Mais je ne viendrai plus avec mes appareils et je ne viendrai plus vous embêter. Je promis juré. Mais s'il vous plaît, touchez mon petit boîtier, s'il vous plaît. Je veux pas, hein. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie encore. Donc voilà. Voilà.
il est éteint. Eh ben voilà, les amis. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Ça, c'est pas possible qu'on me dise à trois reprises. Oui, pour me dire dégage. Enfin, dégage. Pars. Donc, voilà. On ne veut pas communiquer avec moi. Donc, ce qu'on m'a raconté est vrai. Donc, il y a eu réellement des gens qui sont décédés ici, dans les années 1800, après la construction du nouveau château sur les ruines du château fort. Et voilà. Apparemment, les entités qui seraient encore présentes ici veulent rester dans les lieux, n'ont pas besoin d'aide, et voilà. Ben voilà. Ben voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolé qu'on n'a pas capté un peu plus de phénomènes. Moi, je pense que j'ai eu quelques réponses. Maintenant, on verra bien au montage. J'espère que j'aurai capté quelques PVE. J'ai entendu un bruit derrière moi. Ça ne venait pas du convoyeur. Ça, j'en suis sûr et certain. J'espère que la caméra aura capté le bruit. J'ai eu quelques petits bruits qui venaient du convoyeur. Mais ça, c'est normal. C'est du fer. Le fer, il travaille. Donc, voilà. Ben voilà, les amis. Tout doucement, je vais replier. Et je vais retourner, comme on dit, à la casa. Et voilà. N'hésitez pas à me lâcher les petits pouces bleus. Ça m'encouragera pour les prochaines enquêtes. Quand on saura y aller, bien sûr. Parce que pour le moment, c'est pas évident. Et voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais je suis certain qu'il y a. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un ou des personnes. Ça, j'en suis persuadé. Mais voilà. On ne veut pas communiquer. Je ne peux pas les obliger. Donc voilà, en gros, ben voilà. Ben encore un tout grand merci à vous. Et voilà. Je vais faire mon possible pour mettre la vidéo le plus rapidement possible sur la chaîne. Comme ça, vous aurez encore un petit contenu. Eh ben les amis, à la prochaine, ciao ciao pour de nouvelles aventures, ciao ciao.